Oui, bonjour, bonsoir, soyez le bienvenu pour être connecté à l'émission L'Œil de l'Église sur le pasteur Salomon Kaningalsel. Aujourd'hui, c'est notre deuxième séance sur les royaumes de Dieu. Je voudrais faire un petit rappel. Là, nous sommes arrêtés à la première séance. La première séance, vers la fin, qu'est-ce que nous avons dit? Et n'oubliez pas que nous sommes en train de parler sur les royaumes de Dieu vers nous. Alors, de la première séance, nous avons dit une chose vers sa fin. Qu'est-ce qu'on avait dit? Dans l'Ancien Testament est composé seulement de deux parties. Nous avons la loi et nous avons aussi la prophétie. Selon le Seigneur, il a dit que non, quand il s'adressait aux gens, quand il a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste et jusqu'à présent, les royaumes de Dieu forcés sont les violents qui s'en emparent. Qu'est-ce qu'il a dit? Puisque la loi et les prophéties se sont limitées là-bas. Tous les prophètes dans la Bible, pourquoi? Puisque Moïse, tout d'abord, il représente la loi. Il annonçait les gens comment se comporter par rapport à la venue du Seigneur. Et quand Moïse, eh bien Élie, il représente la prophétie, eh bien il représente les prophètes ou encore la prophétie. Prophétie signifie quoi? Annoncer les choses à venir. Annoncer les choses à venir et la prophétie aussi peut annoncer les choses qui sont passées déjà avant. Alors, Élie, comme étant l'image, comme l'icône de la prophétie ou encore qui représente les prophètes dans la Bible, il représente quoi? Les prophètes, bien la prophétie. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, quand c'est Jésus qui s'est dit que tous les prophètes sont venus, ils ont parlé de moi. Quand les prophètes venaient, ils annonçaient la venue du Seigneur, ils annonçaient la naissance du Seigneur, ils annonçaient la venue du Seigneur. Tous les prophètes. Et Moïse, quand il parlait de la loi, Moïse annonçait aux gens comment se comporter par rapport à la venue du Seigneur. C'est pourquoi on a donné la loi. Puisque quand un roi vient, on donne l'instruction. Et on dit aux gens de la manière ils doivent se comporter. Et les prophètes ont parlé de la venue du Seigneur. Mais quand le Seigneur lui-même est venu, il a commencé à s'exprimer. Le premier message qu'il a dit, il a dit repentez-vous. Le premier message, c'est le premier message aussi que Jean a commencé lors de sa mission. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Et quand le Seigneur a commencé aussi sa mission, il a repris les mêmes paroles, puisque ce n'était plus question de la loi. La loi a fait son travail, qui était l'image de Moïse. La prophétie aussi, qui annonçait la venue de Jésus-Christ, il a fait son travail. Mais quand lui-même, il est venu, il est venu introduire quoi? Il est venu introduire le royaume de Dieu. Il est venu introduire le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous parlons sur le royaume de Dieu vers nous. Quand le Seigneur lui-même est venu, il nous a prêché, il a introduit le royaume de Dieu, puisque les prophéties et les lois se sont limitées à Jean-Baptiste. Maintenant, lui-même, quand il est venu, il a prêché le royaume de Dieu. Il nous a recommandé aussi de prêcher le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous sommes sur le point A de l'introduction. Pourquoi parler sur le royaume de Dieu? Nous sommes en train de répondre par rapport au passage biblique. Pourquoi nous parlons sur le royaume de Dieu? Pourquoi nous parlons sur le royaume de Dieu? Puisque la loi et les prophéties, qui est l'image, ou bien qui sont l'image de Moïse et Élie, se sont arrêtés à l'époque de Jean-Baptiste et Jean-Baptiste a introduit la repentance et le royaume de Dieu. La repentance, c'est quoi? La repentance n'est rien d'autre que de changer la façon de penser. Changer la façon de penser, changer la façon de croire. Puis le leadership, je vous ai dit, il faut passer 80% sur quoi? Sur la pensée et 20% sur les talents. Alors, c'est ça la repentance. Alors, pourquoi nous parlons? Pourquoi nous devons prêcher sur le royaume? Le royaume de Dieu, c'est un message qui est un privilège dans la Bible. Après la divinité, il n'y a pas un plus grand message que le royaume de Dieu que nous sommes obligés, qu'on nous a recommandé de prêcher dans la Bible. Nous allons parler sur le royaume puisque c'est le premier message que le Seigneur nous a recommandé de prêcher. Et nous avons cru, jusqu'à l'heure où nous parlons, nous avons cru toujours que le message du royaume de Dieu, c'est un domaine qu'on a réservé seulement acquis aux témoins de Jéhovah. Et nous sommes dans une très grande erreur et nous ne prêchons pas le royaume de Dieu. Parfois, nous prêchons les effets du royaume de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste sera vous donné dessus. Mais la plupart des gens, quand vous allez dans les églises aujourd'hui, la plupart des gens, ils prêchent les effets du royaume de Dieu. Les effets du royaume de Dieu, c'est quoi? C'est le mariage, le voyage, la prospérité, la bénédiction, la guérison, la délivrance, tout comme ça. Ça, on appelle ça les effets du royaume de Dieu, mais ce n'est pas le message. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement l'accès à entrer dans le royaume de Dieu. Comment entrer dans le royaume de Dieu?
C'est pourquoi le Seigneur a donné trop d'exemples. Il a dit que non, il est facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une petite aiguille, que d'un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il faut s'efforcer, c'est un chemin étroit. La Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Le mot chercher ici, selon les recherches, ça signifie quoi? C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui est facile, mais il faut chercher. Quelque chose on cherche, c'est quelque chose qui est perdu. Le royaume de Dieu, on cherche ça puisque l'homme avait perdu le royaume de Dieu dans le jardin d'Eden lors de sa chute. Quand on nous recommande de chercher, quand on te dit cherche quelque chose, c'est-à-dire il faut faire des recherches, il faut disposer ton temps, il faut lire beaucoup, il faut se renseigner beaucoup, il faut prier beaucoup. Donc il y a plusieurs moyens de chercher quelque chose. On ne peut pas chercher quelque chose en croisant les mains. C'est quelque chose qu'on doit engager un effort avec une volonté pour en avoir. C'est pourquoi on a utilisé le verbe chercher. On n'a pas dit que non, entrer. Dans le royaume de Dieu, on dit chercher le royaume de Dieu. C'est-à-dire, à travers la connaissance, on peut facilement découvrir le royaume de Dieu, puisque le premier ennemi de l'homme n'est pas le diable, mais c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est quelque chose qui peut détruire, puisque nous vivons par rapport à ce que nous connaissons et nous sommes détruits par rapport aux choses que nous ignorons. La Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». On ne dit pas que le peuple périt par le démon. Alors c'est pourquoi nous avons tout intérêt, peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, serviteurs de l'Éternel, servants de l'Éternel, de peser de tout notre poids, notre concentration, à parler sur le royaume de Dieu dans nos églises. Puisque vous allez voir que la plupart des prédicateurs, je répète encore, ils prêchent plus sur les effets du royaume de Dieu, au lieu de prêcher sur le royaume de Dieu. Lisez l'histoire de l'enfant prodige dans la Bible. L'enfant prodige dans la Bible, il voulait seulement l'accès dans la maison de son père, puisqu'il sait que non, dès qu'il a l'accès là-bas, il a toutes choses qu'il a besoin. Il n'a pas demandé qu'on puisse lui ravitailler les vêtements, qu'on puisse lui ravitailler la nourriture, qu'on puisse lui ravitailler l'argent, qu'on puisse lui ravitailler la sécurité, qu'on puisse lui ravitailler la consolation, la sécurité. Non, non, non. Il a demandé seulement quoi? L'accès. Il avait besoin d'accès. Toutes les méthodes que l'enfant prodige utilisait dans la Bible, c'était une méthode pour l'aider seulement à avoir l'accès dans la maison de son père qui est l'image du royaume. Dès qu'il a l'accès là-bas, c'est tout, il aura tout. Mais aujourd'hui, dans les églises, la plupart des gens, ils prêchent souvent le succès, le voyage, l'élévation, la promotion, la délivrance et tout comme ça. Ce sont de bonnes choses, mais ce sont les effets du royaume de Dieu. La Bible dit... Quand vous cherchez premièrement le royaume de Dieu, les restes des choses vous seraient données dessus. C'est-à-dire, nous prêchons plus sur les effets du royaume, mais nous ne prêchons pas sur le royaume de Dieu. Nous devons nous comporter comme les enfants prodiges. Quelque chose que tu as perdu, tu dois chercher ça pour avoir l'accès à l'intérieur. Dès que tu as l'intérieur du royaume, dès que tu as l'accès, tu as toutes choses là-bas. Comme je vous ai dit que donc, dans la maison du roi, il n'y a pas la famine là-bas. Personne ne passe la nuit en famine. Alors, pourquoi? Nous sommes toujours sur les premiers points, les points A de notre introduction. Pourquoi nous parlons sur le royaume de Dieu? Première raison, puisque Jean-Baptiste, il a introduit dans son message. Le Seigneur, quand il est venu dans Matthieu chapitre 4, le verset 17, il a aussi introduit le même message. Il a dit, repentez-vous et le royaume de Dieu est proche. La Bible dit encore que non. Le Seigneur était avec les Juifs. Il a prêché pendant 3 jours sur le royaume de Dieu, jusqu'à ce que les gens avaient terminé toutes leurs provisions. Quand le Seigneur a fait le miracle de la multiplication des pains, parce qu'ils étaient là 3 jours, le message du royaume de Dieu vers nous, c'est un message qui est profond. Je pense bien la plupart des choses que nous disons, ce sont que des titres. C'est quelque chose qui peut prendre même 3 ans, on va prêcher ça, on ne va jamais terminer ça, puisque le royaume de Dieu a une grandeur qu'on ne peut jamais prêcher ça dans 20 séances, même dans 3 ans, on ne saura pas terminer ça. Mais nous parlons seulement sur les choses essentielles, sur ce que nous avons connu, sur ce que nous avons compris seulement. Donc il y a beaucoup à parler là-dessus. Pourquoi nous prêchons sur le royaume? Puisque le Seigneur, il a pris 3 jours. Il était là en train de prêcher sur le royaume jusqu'à ce que la nourriture, bien la provision était terminée. Et il a fait la multiplication du pain, puisque les gens étaient patients. Il avait le désir d'écouter les choses du royaume de Dieu. Pourquoi nous prêchons sur le royaume de Dieu? Puisque la Bible dit, premièrement, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné dessus. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Pourquoi nous prêchons sur le royaume de Dieu? Puisque l'enfant prodige, comme je vous ai dit, dans Luc chapitre 15, il cherchait seulement l'accès dans le royaume de son père, dans la maison de son père. Alors, le reste des choses, il aura ça dans la facilité dès qu'il est à l'intérieur.
On n'avait pas organisé une fête quand il était à l'extérieur. On n'avait pas joué de la musique quand il était à l'extérieur. Mais quand il cherchait à avoir l'accès, c'est alors que non, il avait la possession de toutes choses encore. Et toutes choses lui ont été restaurées. Alors, son droit. Pourquoi nous prêchons sur le royaume? Nous sommes toujours sur le point A de l'introduction. Il y a une chose qui est importante. Il n'y a pas de message que le diable se lève et combat un prédicateur dans la Bible comme le royaume de Dieu. Quand on prêche le royaume de Dieu, le diable lui-même, pas les démons, pas les sorciers, pas les principautés, pas les occultistes, mais le diable lui-même, il se lève. Il combat ce message parce que c'est une mission qui est divine, que le Seigneur a envoyé, qu'il a instruit, qu'il a fait quoi? Qu'il a recommandé ses disciples et nous, qui sommes considérés comme étant la postérité, nous continuons à prêcher. Quand on prêche le royaume de Dieu, c'est le diable lui-même qui se lève pour combattre. C'est pourquoi la plupart des gens, ils sont dans l'ignorance complète. Ils prêchent que les effets du royaume de Dieu. Ça, quand vous allez lire dans Matthieu chapitre 13, le verset 19, le Seigneur explique la parabole du semeur. Matthieu chapitre 13, verset 19, le Seigneur explique la parabole du semeur. Il y a quelque chose qui est important là-bas. Écoute une chose. La Bible dit ici, qu'est-ce qu'il a dit quand il expliquait la parabole du semeur? Il a dit que non, lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu, eh bien, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne le comprend pas, écoute une chose, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne le comprend pas, le malin vient, le malin, le diable vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ça, c'est Matthieu chapitre 13 et le verset 19 qui dit que si quelqu'un écoute la parole du royaume, le malin vient lui-même, le diable lui-même vient, il combat la personne, puisque le diable n'aime jamais que les gens puissent parler sur le royaume de Dieu, puisque c'est notre destinée. La fois passée, on avait parlé sur les cinq questions de leadership et la dernière question était la destinée et où irai-je? Ou bien, où, quelle sera ma finalité? C'est ça, notre destinée. Alors, le point 9, pourquoi nous prenons sur le royaume? Le point 9, la Bible dit ceci, il y avait quelqu'un qui était venu vers le Seigneur et qui lui a demandé que le Seigneur, je te suivrai partout, tu iras. Et le Seigneur a dit à cette personne ici, qu'est-ce qu'il a dit que non? Il a dit que non, voilà, laisse-moi d'abord enterrer mon père, après je te suivrai. Le Seigneur lui a dit une chose que non, laissez les morts enterrer leurs morts et toi va prêcher le royaume. Il n'a pas dit que non, toi va prêcher la prospérité, il n'a pas dit que toi, et va prêcher la délivrance. Il n'a pas dit que non, toi va prêcher le mariage. Il a dit que non, toi va prêcher le royaume. La même recommandation revient encore ici. Pourquoi nous prenons sur le royaume de Dieu? Selon Luc chapitre 4, verset 43, la Bible dit ceci. Jésus dit ceci, il s'adresse aux disciples. Je dois prêcher la bonne nouvelle du royaume dans d'autres villes aussi, car c'est pour cela que je suis envoyé. Luc chapitre 4, verset 43, c'est très intéressant. Je relis encore ce passage, très intéressant. Pourquoi nous prêchons le royaume? Parce que le Seigneur lui-même, qu'est-ce qu'il avait dit aux disciples? Je dois prêcher la bonne nouvelle du royaume à d'autres villes aussi, car, voilà, car maintenant, c'est la conclusion. Car toujours, ça indique la conclusion. Qu'est-ce qu'il dit? Car, je suis envoyé pour ça, pour dire que non, il était envoyé pour prêcher sur le royaume. C'est pourquoi dans son introduction, il a commencé à dire quoi? Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Alors, pourquoi nous prenons sur le royaume de Dieu? C'est ça encore notre question que nous revenons encore. Parce que dans la grande commission, la Bible dit que Matthieu chapitre 23, le verset 19, la Bible dit « Allez dans toutes les nations, faire les disciples. Allez dans toutes les nations, prêcher le royaume de Dieu. » Matthieu chapitre 28, verset 19, la grande commission que le Seigneur a donné aux disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez dans toutes les nations, faire quoi? Faire les disciples, leur prêcher le royaume de Dieu. Pourquoi nous prêchons sur le royaume de Dieu encore? Notre passage encore, lisez ça, c'est tellement important, ça va vous bouleverser. La Bible dit, le royaume de Dieu se justifie par le temps. La Bible dit quoi? Le royaume de Dieu justifie la fin du temps. Le royaume de Dieu justifie la fin du temps. Le Seigneur a dit quoi? Avant que la fin arrive, il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans toutes les nations pour servir de témoignage. Je répète encore, le Seigneur a dit une chose, avant que la fin arrive, il faut que cette bonne nouvelle
du royaume soit prêchée à travers toutes les nations pour servir du témoignage. Matthieu chapitre 24, le verset 14. C'est-à-dire la fin du temps est entre nos mains. C'est nous qui contrôlons la fin du temps par rapport au message que nous prêchons. Les jours que nous allons changer d'avis, de prêcher le message du royaume de Dieu, c'est le même jour que le Seigneur aussi va faire quoi? Va, le royaume de Dieu est toujours proche. Le royaume de Dieu est toujours proche. La fin du temps est toujours proche à tout moment. Ça peut nous arriver. Dieu est prêt à tout moment. Tout dépend de la manière dont nous allons prêcher cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Puisque nous prêchons la bonne nouvelle du royaume de Dieu, puisque la fin du temps s'approche, puisque nous sommes un peu réticents, puisque nous sommes un peu, nous sommes lents à comprendre, à prêcher sur le royaume, puisque le royaume de Dieu aussi se tarde. Rappelez-vous, la Bible dit que non, ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est ce qui se passera aussi au temps du Fils de l'homme. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu a dit à Noé de bâtir une arche afin que Dieu puisse libérer la pluie attendait jusqu'à ce que Noé puisse terminer les travaux et fermer la porte, c'est alors que la pluie va pleuvoir. Aussi longtemps, les travaux n'étaient pas fermés, la pluie n'était retenue, mais était prête, mais était retenue par le Seigneur. Pour dire que non, la pluie attendait les travaux de Noé. Dès que les travaux se terminent, Dieu va relâcher aussi la pluie. Ça revient le même, les jours que nous allons atteindre l'extrémité, Dieu va relâcher aussi quoi? Le royaume de Dieu, la fin du temps. Merci pour aujourd'hui. Nous allons encore nous revoir dans la troisième séance.